Tu es quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ah, d'accord. Il est où ce sceptre de... Ouais. Ok. D'accord. J'ai pas bien tout compris. Alors. Le chef des kobolds. Ouais. Le chef des kobolds. Le chef des kobolds. Il faut donc que je trouve le chef des kobolds. Mais où est le chef des kobolds? Est-ce que tu le sais? Ouais, faut que je tue quelqu'un, quoi. Écoutez, c'est basiquement c'est ce que vous me demandez de faire. Oh, une porte. Adepte, adepte. Messieurs, bonjour, je cherche le sceptre. Enfin, je cherche un sceptre. L'aurez-vous vu? Oh, il est mignon. On prend le loup. Est-ce que vous savez où je peux trouver un sceptre? Un sceptre de kobold, a priori, pour faire bouger un caillou, hein. C'est débile. Ah, moi aussi, je comprends pas. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est pour toi. Oh, elle est belle. Ah, mais tellement. Et ça, c'est un gant d'estimation. Ah ouais, donc c'est ça, la compétence estimation, c'est un des nouveaux trucs que j'ai vu vite fait. Est-ce que tu as le bâton? Tu n'as pas de bâton. Bon bah, je te prends ça. Putain, personne ne sait où je trouve le chef des kobolds. Ça, c'est de la belle porte. Ça, c'est de la belle porte. Hein. Ah, merci. Messieurs, bonjour. Messieurs, bonjour. Excusez-moi, je voudrais parler à votre chef. Ah, Urk. Peut-être que tu peux m'aider. Non. Je viens voir. Je viens voir Team of... Ah bon, pourquoi? Ah. Maître chef. Où est le maître sauteur? D'accord. Puis utiliser le sceptre. Je vais te persuader. La persuasion a marché. Oui. Ah, tu m'as... Ah, tu m'as passé le bâton. Ah, voilà, parfait. On essaye de régler le problème. Oui, bon. Voilà, allez. On essaye de trouver un accord. On va dire... par mois. Voilà, par mois, tranquille. Comme ça, on se fait pas trop chier. Ah, tu veux... Cheval! D'accord. Comment ça vous lui donne rien? Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Ah! Ah putain, mais qu'est-ce que je regarde dans ma vie, bordel? Ah, bordel de merde, oubliez! On est d'accord, j'ai jamais rien entendu. Ah putain, vous êtes dégueulasse. Ah la vache.
Ah, je me sens sale d'un coup. Bon, le problème il est réglé. Maintenant, j'aimerais parler à votre chef. À vos grands dragons blancs, mon sbi, tout cela. Et parler, si possible, gentiment avec lui. Non, pas de gros problème en perspective. Non? Dans le niveau inférieur. Oh, mais c'est foutage de gueule. Monsieur, bonjour. Oh, c'est beau. Oh, c'est grand. Waouh. Oh, c'est. Ah oui, c'est. Ah oui, c'est. C'est. Balèze. Grosse architecture. Ça ressemble à une tête. Bah, Ah bah putain, mais quel est con. Oui. Allez, allez. Go, go, Power Rangers. Allez. Oui. Ah, oh, oui, regardez. Alors, comment dire? C'est pas moche, mais quand même, les mecs. Alors, superbe tête, par contre. Mais j'ai rien fait, Kobold molosse de glace. Quoi? Hop. Oh, puis la map elle est grande! Ah bah alors là, s'il y a des gens qui veulent du contenu, ils vont être servis. Un caillou. Un caillou-x. Ah, ça ressemble plus à un truc qu'on a bougé qu'un dragon, ça. Il y avait un piège. Oh. Ah non, je suis paralysé. Qu'est-ce que c'est ça? Enclos à bœuf pour le dragon. Ça se tient. Ah, merci. Bonjour. Messieurs. Bon. Ah, il y en a encore un. Ah, c'est ta petite maison. C'est ta petite maison, un piège, non? Râtelier à armes. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, pas grand-chose. Pas grand-chose de bien intéressant. Là, on en a. Oh, il y en a plein. Il y en a un. Là, il y a un corps. Un corps avec un anneau en or. Non, ça ressemble toujours pas à un cri de dragon. Ça, je prends. Et je prends aussi l'or, écoute. Ah, excusez-moi, vous voulez m'attaquer? Bien sûr, avec plaisir. Je vous attends. Je vais quand même me reposer un coup. Au cas où. Histoire d'en prendre un peu de vie, de se poser, de voir un petit peu les stratégies à adopter contre un dragon. Un dragon, putain. Moi, ça me réjouit pas trop. De savoir ça. D'ailleurs, un petit save. Alors, un enclos à buffle. À bœuf. Imagine qu'il y a quelqu'un qui garde. Ah. Il a trouvé le bétail énervé dans l'enclos et de servir à nourrir le dragon.
Ah, bonjour, tu es? Oui, bon là. Vous êtes libre! Vous êtes libre! J'ai gagné 200 points d'XP. Moi, je sais pas, je trouve que c'est le meilleur moyen. Oh, je me suis pris un petit dégât. Oh, attendez, je veux pas qu'il disparaisse. Je veux juste voir ce qu'il y a dedans. En vitesse. Il n'y a rien dedans, ok. Je veux juste voir ce qu'il y a dedans et voir la réaction du dragon. Je veux juste me marrer. Ils sont encore là, et bref, ils sont encore. Oui, ils sont encore là. Ah, les pères. Oh! Ah! Alors regarde, regardons le spectacle. Regardons un petit peu ce spectacle. Nous découvrons ensemble. Ah, je t'ai passé un. Ah, c'est. Voilà. Mais tu pas les pauvres bêtes. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Bon, vous m'excusez. Vous essayez de faire quoi? Vous avez essayé de... Peut-être vous avez essayé de voir si l'eau était mieux. Oh, ils sont mignons. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Ah, tu retournes. Ah, tu retournes. Allez. 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 On retourne à l'enclos. Allez. 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 Oui. Oh, elles sont belles. Oui, maintenant je vais toutes les ramener. Parce que c'est mignon. Oh oui. Oh oui. Ah, une belle bête ça. Ah, c'est une belle bête ça. Non, mais finalement, aventurier, voyez, je pense que c'était pas une bonne idée. Je vais me reconvertir en garde-bœuf. Ouais, voyez, je pense que quelque part, c'était un peu ce que je voulais faire depuis le début. Toi, tu avais quoi? Toi, je te prends ça. Et puis, je te prends ça. C'est un petit peu ma vocation, je pense. C'était quelque chose d'important, ok? Il me fallait quelque chose dans ma vie qui me dise il faut que je m'occupe de bœuf. Il faut que je m'en occupe, il faut que je comprenne l'animal. Non, je pense que cette vie va m'être beaucoup mieux. Va m'être plus calme. Sont rentrées. Allez, maintenant on ferme. Regardez, elles sont rangées, elles sont bien. Bon, je me blesse. Voilà. Non, mais la nature, tout ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, là. Ah. Tu es prêt, mon cher Xanos? Voici le dragon. Le dragon! Ah! Il y a un piège. Alors déjà, tu as une très belle voix, Kil'Mofarrar, et tu ressembles plus à un dragon avec une armure qu'à un dragon blanc. Voilà. D'accord. Oh oui, la petite chose. Alors. Ah 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 ah. Oh bon. Ne fais pas ça, sinon tu vas mourir. Je ne suis pas là. Oh.
Oh. Oh, excuse-moi. Voilà, Dicky. Oh. oui, donc. Il doit se cacher à Bloomer. Oh. Elle souhaiterait retrouver la liberté. Ah. Ah. Tu as un masque. Ah, mais c'est intéressant cela. Son seul nom me met hors de moi. Quelle audace, quelle témérité. Sa présence constitue un affront à ma magnificence draconique. Pourquoi? Elle m'a contacté, lui, on peut en parler. D'accord. Oui. Ya. Chaud comme le sang, brillant comme le feu, plus précieux que l'or. Le pouvoir? Raté. Où la trouve-je? Et comment puis-je la tuer? Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire vous-même? Ah, et qui sont-ils? Lesquels j'ai gagné? Oui. C'est un bon début. J'accepte. Oh, oui. Qu'est-ce que c'est? Particulière. Cette clé. Oui. Et vous retrouverez dans le. Oui. J'arrive aussi à pénétrer dans ce que vous appelez la haute forêt. Vous y trouverez une caverne de gnôles. Ah! Il y a une suite de quêtes qui s'enchaînent là. Oh là là. Donc, si, là, si je résume, parce que je vais m'arrêter là, je suis allé au nord, enfin, au nord, village humain. J'ai découvert Dikin. Dikin qui sait où se trouve la statuette de la tour. Mais, pour récupérer cette statuette, il faut que je demande à sa, à lui, à Tin Mofarar, son maître, de lui rendre sa liberté. Sauf que deux choses. Il voudrait, il possède le masque, donc déjà quelque part, oui. Je... Alors, il l'a pas dit explicitement. Ah, tiens, si. Non, même pas marqué. Il l'a pas dit explicitement, mais il possède déjà le masque. Et donc, pour récupérer, pour libérer déjà Dikin, il faut que je tue Yara. Sauf que Yara est au sud. Et si j'ai bien suivi, parce que quand même, je pense pouvoir suivre ce qui se passe, Yara, qui aurait commandité le raid sur Maître Dragon, Dragan, aurait sans doute le dernier item vu qu'il y a eu un raid pendant que les kobolds revenaient ici pour choper les items. Je sais pas si je suis clair. Mais en gros, tout coïncide, tous les mécanismes s'agencent, tournent et font
que pour moi c'est tout bénef. Pour le moment, il me manque juste le masque qui le retient, que je vais essayer de voler s'il est quelque part. Alors, je pense qu'il doit être sur ce bureau. Pour moi, c'est tout bénef. D'ailleurs, je vais essayer de voler ce bureau. Bonjour. Oh, tu as du bordel sur ton bureau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Carnet de notes? Qui prend des notes? Qu'est-ce que c'est? Ce grand grimoire contient des notes griffonnées, des diagrammes profonds, un journal et quelques petits dessins assez médiocres. La plupart des textes sont rédigés en draconique, peut-être certains sont en commune. Peut-être parmi ceux-ci, certaines notes sont intéressantes. Je dois songer à concevoir une encre qui ne se gèle pas. Ces fichus kobolds ont essayé de dégeler la dernière fiole d'encre au-dessus d'un feu et elle a explosé. Il y a encore plein de traces d'encre dans la caverne supérieure. J'ai nagé jusqu'à l'extérieur aujourd'hui. J'ai rencontré un groupe d'orques sur mon récif préféré. Pourquoi les orques ont-ils si mauvais goût? Note à moi-même. Trouver du sel au cours de mon prochain raid. J'ai reçu une lettre intrigante aujourd'hui. Une proposition intéressante. Il faut que je m'entraîne à parler dans la langue commune plus souvent. Gna m'a envoyé aujourd'hui une fiole d'un poison des plus intéressants. Elle ne m'a pas dit d'où il venait, mais il avait l'odeur du venin de serpent. Dikin a léché la fiole et a sombré dans le coma pendant 3 jours. Malédiction, pourquoi tous mes plans doivent-ils échouer? Aujourd'hui, j'ai acquis une poudre très intéressante. Elle m'a coûté cher. Elle m'est utile que contre cette fichue sorcière, mais elle ne s'attendra certainement pas à ça. Et que je suis rusé. Note à moi-même, révéler mes plans par écrit n'est pas une bonne idée. Autant éviter jusqu'à ce que la sorcière soit morte. Ensuite, vous ne trouvez plus de texte lisible. Cependant, vous marquez un dessin représentant une elfe mise en pièces par une même créature reptilienne. Oh, c'est mignon. Il fait des petits dessins. Oh, alors que ça fait des petits dessins. Ah, oh, c'est tout mignon tout ça. Oh oui. Oh oui, il est tout mignon, hein. Bien. Ben, on en sait un peu plus maintenant. Et il a le masque sur lui, donc il faudrait que je tue ce que j'ai pas envie de faire. Bien sûr, je vais m'arrêter là parce que j'ai enregistré déjà les sessions. Je pense que dans la prochaine, on ira voir donc Nya. Enfin, Nya, je n'arrive pas à prononcer son nom, bref, l'elfe. Avec lequel on va devoir tuer tout le monde. Et si tout va bien, la fin du chapitre 1, ce que j'espère, avec un enchaînement de faits incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette session jusqu'au bout. Ou d'avoir regardé l'épisode, ou les précédents épisodes, ou bien la playlist entière. Si vous avez regardé la playlist entière, bravo. Merci de porter attention à ce jeu et à ce que je fais. Si ça vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un pouce en l'air. Vous pouvez, si vous avez des stratégies ou si vous avez des conseils à me donner, me le dire en commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Me suivre sur Twitter, où je poste des trucs fort intéressants. Pas tout le temps, mais des fois ça arrive. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et pour la suite de ce jeu. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights Shadows of Hundred Tide.